Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Dans cette vidéo, c'est très simple. On va tout simplement retracer notre histoire sur YouTube, les objectifs à venir, etc. Parce que comme vous le savez, les gars, on est le 13 avril passé, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et du coup, j'ai 20 ans. Et honnêtement, honnêtement, c'est la cata. Honnêtement, les mecs, il est temps de faire un petit point. Parce que j'ai 20 ans et j'ai l'impression que je peux accomplir encore tellement de choses. Je suis jeune, etc. Mais il y a des trucs que je dois améliorer, tout ça, etc. Bref, on va y revenir dans cette vidéo. En attendant, on est reparti pour un petit retour dans le passé avec 5 ans en arrière. Donc du coup, il y a 5 ans, c'est très simple. Je décide de créer une chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube précédente. Et sur cette chaîne YouTube, je publie un petit peu de multigaming, etc. Et sur cette chaîne, je dépasse pas plus que les 30-50 vues. Il y a juste une vidéo qui a fait vraiment 4000 vues, j'ai pas compris. Mais sinon, vraiment, voilà, ça fait pas beaucoup de vues, etc. Mais à l'époque, tu vois, je suis content. Parce qu'à l'époque, j'étais quand même content de faire ça comme vue. Même si ça paraît peu à l'heure actuelle. Mais du coup, donc voilà, je kiffe tout ça. Et arrive un moment donné où je plonge quand même très bas sur YouTube. Je me dis que j'évolue pas et je tente un truc qui s'appelle les lives fait ta pub. Chose qui, à l'époque, n'était pas vraiment autorisée. Comme je vous le dis, je suis descendu bien bas. Voilà. Du coup, je décide de faire ça. 100, 200, 400, 500, 600 abonnés même. Et d'un coup, le concurrent avec qui je faisais ça me dit « Ça ne t'irait pas en faire un partenariat ?» Parce qu'il voyait que je le rattrapais, tu vois, en nombre d'abonnés. J'avais fait 600 en une semaine. Le gars, il s'est dit « Wesh, là, il va beaucoup trop vite, là. Je vais me faire rattraper. » Il dit « Ouais, petit partenariat, ça te dit ?» Il fait « Vas-y, regarde là, et clique et dis-moi si tu vois une page blanche, ça doit être un bug. » Je clique, et là, c'est le début de la cata, les gars. Je clique, et là, le gars me dit « Je t'ai dédos, mon frérot, c'est fini pour toi. Si tu tentes quoi que ce soit de relancer un live, c'est fini, je te coupe ta co, tu ne peux plus rien faire. » Il dit « Frérot, abuse pas, frère, ça y est, dédos, c'est un live. » Le gars me dit « Non. Tente, tu verras, tu peux plus rien faire. » J'ai retenté, hein, bien sûr. Hein, on sait jamais. Ça va marcher. 3 mois s'écoulent et on arrive à une période où je faisais beaucoup d'arènes sur Fortnite parce qu'à l'époque c'était le mode arène. Donc je fais du mode arène, je fais un petit peu de compète Fortnite, tout ça. C'est même d'ailleurs la période où j'avais réussi à faire 50€ de cash prize sur un tournoi sniper où tu mets une balle, ça le tue. Hein, voilà, on va pas dire le contraire, mais tranquille. Hein. J'ai jamais récupéré les récompenses. Mais tranquille. Voilà, c'est génial. Bref, voilà. Et du coup, à un moment donné, je me dis, en vrai, je kiffe regarder des lives Fortnite et des lives arène surtout. Donc je clique sur Google, je vais sur YouTube. Et là, je marque « Live Fortnite Arène FR ». Je tombe sur un certain Corgan. Donc Corgan, autrement appelé Swayze. Swayze, du coup, il est en live avec une autre personne qui est, du coup, que vous connaissez plus, Taiko. Taiko, les gars, c'est celui qui m'a permis d'être là actuellement, hein, clairement. Très clairement, ça a été la base de ma chaîne YouTube, là, actuelle, Kaiden. Et du coup, je vais sur le live de ce Taiko parce qu'ils étaient en live ensemble avec Kangan Swayze du coup. Et du coup, je vais sur sa chaîne et lui il dit en vrai, les gars, je cherche un monteur pour 10€, un monteur, enfin un monteur, un youtubeur. Et lui en gros, il était monteur. En gros, il cherchait des youtubeurs pour monter des vidéos. Moi, je lui dis, vas-y, en vrai, je suis grave chaud, j'ai plus de chaîne, mais why not? Et du coup, on joue ensemble. On joue le soir même ensemble avec Slice, qui est un autre membre, bref, abonné à sa chaîne. Et là, on fait une soirée, on joue. Le lendemain, on refait une soirée Fortnite. On joue jusqu'à 3-4 heures, etc. Et dans cette hype, il y a Taiko qui dit « Gars, est-ce qu'on tenterait pas une team ?» Genre, on fait une team de créateurs de contenu et juste, on publie, on charbonne tout ça ensemble. Et donc là, tout le monde est chaud. On fait « Ok, let's go, vamos. » Les quatre, donc Swayze, Slice, Taiko et moi. Et du coup, on lance la fameuse Team Poiscaille. Cette Team Poiscaille, elle aura duré malheureusement que 2 semaines. Elle a duré 2 semaines. Et au bout des 2 semaines, en fait, on se rendait compte qu'il n'y avait plus que moi et Taiko qui publiaient vraiment du contenu. Donc on évoluait ensemble, tout ça. Mais à côté, t'as Swayze et Slice qui n'étaient
plus du tout pour Slays actif. Et on n'avait plus jamais eu de nouvelles depuis les deux jours. Et Corgan, donc Swayze, qui je crois s'était fait supprimer sa console, tout ça, du coup il pouvait vraiment plus rien faire. Donc voilà, c'était terrible. Mais nous, avec Taiko, on continue, etc. Et là, pendant cette euphorie de la Team Poiskai, en fait, la Team Poiskai commençait à se créer, et Taiko me disait, est-ce que tu créerais pas une nouvelle chaîne YouTube où vraiment tu te focuses sur du Fortnite? En vrai, pourquoi pas, mais ça va pas percer, quoi. Voilà. Ça va rien faire du tout. Et là, je me dis, bon, vas-y, quand même, on va essayer. Puis je me sens dans la hype de cette team, tu vois, que Taiko avait fait. Et je me dis, why not, en vrai, why not. Et là, donc, je publie ma première vidéo. Première vidéo, premier jour, 100 vues. Deuxième jour, 200 vues. Bon, troisième jour, il y avait plus de 300 vues. Hein. Ça s'était rien arrêté à 200 vues. Il n'y avait plus rien. Et là, je vois 50 abonnés, etc. Je lance mon premier live. Il y a une interaction de fou, parce que c'était le live sans kill challenge. Ça m'encourageait, tout ça. C'était vraiment incroyable. Et du coup, bah voilà, on continue tout ça du lundi au vendredi en live. 100 abos, 200, 300, 400, 500, 600. Jusqu'à novembre 2023. Novembre 2023, on arrive aux 900 abonnés. Et là, je fais un petit sub goal où vous pouvez gagner des choses, tout ça. Et d'un coup, je me dis, si je publiais un short. Je publiais déjà des shorts juste avant qui ne rapportaient pas forcément d'abonnés. Et là, je publie des shorts sur le football. Avec les notes, je sais pas si vous vous rappelez, entre deux joueurs, et enfin ça fait une note générale, et ça perd, ça fait 2000 tout ça, mais sur les 2000 vues, bon, percé entre guillemets percé, sur les 2000 vues, il y en a 200 qui s'abonnent, et là je passe les 1100 abonnés. Les 1000 abonnés sont passés, sur mon ancienne chaîne, mon rêve c'était d'avoir les 1000 abonnés, je les avais jamais eu, et là, sur cette chaîne là, on a eu les 1000 abonnés, et franchement j'étais... Oui. Incroyable, tu vois, c'était vraiment, j'avais accompli mon challenge YouTube sur ma chaîne précédente, tout simplement. Et donc là, on arrive là, peu de temps avant ça, il y a du coup Taiko qui montait mes vidéos, qui, tout simplement, son PC il lâche, son PC, il lâche, et là, il se désintéresse totalement des jeux vidéo, tout ça, il va même à faire une pause YouTube. Là récemment, il s'est un petit peu repris, je crois. J'ai vu récemment, il y a une semaine ou deux, il avait publié une vidéo sur un petit peu. Bah, en fait, Taiko, ça va être celui qui va te conseiller sur la vie, tout ça, comment performer, etc. Comment être bien dans ta vie, tout simplement. Et c'est vraiment des bonnes vidéos, donc si jamais vous voulez checker, n'hésitez pas. Hein. Taiko, c'est sa chaîne T-A-Y-K-O. Je vous mettrai peut-être le lien en description si j'arrive à voir. Mais voilà, bref. Cette vidéo, les gars, sera vraiment sans montage. Hein, vraiment, on retrace un petit peu tout ça et on discute tranquillement. Voilà, voilà. Et du coup, donc là, je me retrouve sans monteur. Et c'est là que intervient une nouvelle équipe. Entre deux, il y avait un petit peu des lives avec tous les jeudis, avec le Krakito, le Matt. Et franchement, c'était juste trop cool. Le jeudi soir, on se retrouvait avec Matt parce que les autres jours, ils travaillaient. Et on live ensemble, tout ça. Franchement, c'était vraiment trop cool. Merci à toi, Matt, en tout cas. Krakito, je te fais plein de gros bisous, mec. T'es quelqu'un d'incroyable, les gars. Matt, c'est une crème. C'est le meilleur de la crème. Avec SK aussi. Franchement, j'ai fait des rencontres, les gars, de fous furieux. J'ai fait des rencontres de fous furieux, que ce soit SK, Matt, Taiko, voilà, etc. C'était vraiment des rencontres de fous qui m'ont permis d'évoluer sur YouTube. Et du coup, donc, pour en revenir au fait, je passe les 1100 abonnés, tout ça. J'avais fait la rencontre de Matt, tout ça. Ça se passait ultra bien, etc. Même si Matt, je le connaissais vraiment depuis pas mal la création de ma chaîne, à peu près. Donc voilà. Mais voilà, SK qui, du coup, était devenu à l'époque, parce que Taiko m'avait conseillé de prendre SK. À l'heure actuelle, SK, il avait fait mes miniatures, tout ça. À l'heure actuelle, on se parle encore. Et franchement, bah, c'est juste trop cool, parce que SK, vraiment, ça a été celui, je pense... qui a été le meilleur conseiller. SK, vous voulez des conseils, vous appelez SK, les gars. C'est simple, clair et précis, vous appelez SK. Donc voilà. Du coup, avec SK, on se parle encore, etc. Il passe souvent sur les lives, tout ça. Et franchement, bah, je le remercie infiniment, tout ça. Donc toutes les personnes que j'ai citées, même vous qui êtes abonnés à cette chaîne, merci à vous, les gars, parce que c'est grâce à vous qu'on en est là aussi. Merci infiniment.
Et juste, bah, incroyable, les gars, on va continuer sur cette lancée, etc. Et du coup, pour en revenir au fait, donc SK, incroyable. Et avec SK, d'un coup, j'ai plus de monteur. Et sur TikTok, je commence à créer un petit peu de contenu. Et il y a un certain Lennox. Donc Lennox, comme vous savez, ça s'est pas très bien fini avec lui, mais bon, on va pas trop revenir sur ce sujet. Mais du coup, ce qui s'est passé avec Lennox, c'est qu'il m'a contacté sur TikTok. Et en gros, on a cherché à faire un concept qui pourrait être intéressant à faire et quotidiennement, tout ça. Parce que, bah, en gros, lui, Lennox, il voulait pas que je le paye. Mais moi, je lui ai dit, frérot, j'ai. T'es là, tu travailles pour moi, je dois te payer, tu vois, normal. Mais tu vois, donc je le payais, mais je voulais que derrière, tu vois, on fasse vraiment un vrai truc. Et c'est là où on a eu l'idée des boutiques d'objets sur Fortnite. Tous les jours, quotidiennement, on publiait les boutiques du jour, etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à me mettre dans les youtubeurs, un contrat entre youtubeurs. Et dans ces un contrat entre youtubeurs, d'un coup, Lennox me propose. Enfin, je lui propose de faire toute une mise comme ça. Pendant tout le mois, t'es tranquille, t'as même plus besoin de faire de montage, tu fais tout d'un coup et c'est bon. Il fait ça et en fait, il me renvoie tous les trucs. Et là, il y avait plein de fautes d'orthographe, etc. Là, je me suis dit, on s'entretoie un petit peu quand même, tu vois. Tu fais une faute par TikTok, j'ai tout téléchargé. Au final, bah, y a plein de fautes d'orthographe, tout ça. Et c'est là où a commencé vraiment la première dispute. Et derrière, bah, il y a eu plein d'embrouilles, etc. Et bah, une première dispute en génère d'autres derrière, hein, souvent. Donc voilà, c'est comme ça que du coup, avec Lennox, on s'est séparés. Mais c'était une période où, en fait, avec SK, Voxyz, que je remercie aussi infiniment, parce que Voxyz, qui me suit depuis pas mal de temps. Et franchement, bah, on s'entend tellement bien. Même avec tous ceux qui m'ont emmené jusque-là, on s'entend tellement bien. Et franchement, c'est juste trop cool. C'est juste trop cool. Parce qu'on kiffe tout ça. Donc incroyable. J'ai du soleil. J'ai le sunlight. Mais voilà. Donc merci à vous aussi bah, pour SK, Voxyz. Même Lennox, hein, avec qui je parle plus. Mais merci à lui quand même. Parce que voilà, ça a été quand même une partie, un bon 1 ou 2 mois sur ma chaîne YouTube. Franchement, c'était cool. Je crois que c'était la période estivale. La période estivale, on avait fait un petit peu. On avait fait ça. On était vraiment à fond sur YouTube. Et on s'entraidait, tout ça. On faisait. Même Lennox, on avait fait une vidéo en feat avec SK et Voxyz. Franchement, c'était trop drôle. Malheureusement, le résultat de la vidéo était pas fou, mais on a kiffé sur le moment. Franchement, non, c'était cool. Et c'était une bonne période quand même. Malgré tout, c'était une bonne période. Et du coup, on en arrive à novembre 2023. Novembre 2023, comme je vous disais, je passe les 1100 abonnés, tout ça, et je me rends compte que je suis à 2000 heures sur 4000 de visionnage. Là, je me dis, il y a moyen de faire un truc, même si en 9 mois, j'ai fait que 2000 heures de visionnage, il faut que je trouve un truc pour qu'en 3 mois, j'ai les 4000 heures. Et là, on parle un petit peu avec les abonnés de ça, et d'un coup, on se dit, en vrai, pourquoi pas? La nuit et pendant que je suis en cours au travail, pourquoi pas mettre des rediffs de live que j'avais fait dans la soirée et qui tournaient en boucle. Et on fait ça, et là, très vite, tac, tac, 50 heures, 60 heures en plus par jour, tout ça. Et tout ça, c'était grâce à une personne essentiellement, grâce à vous aussi, hein, tous les abonnés qui étaient présents sur les lives à ce moment-là, etc. Mais c'est aussi grâce à une personne qui vraiment. A été un crack ultime là-dessus parce que le gars vraiment il a utilisé 5 appareils, c'est Druluxus qui bah je te remercie hein, je te remercie infiniment pour ça parce que bah grâce à toi j'ai la monétisation actuellement, même si j'ai eu des petits problèmes avec la société que j'avais créée tout ça, mais c'était trop un bazar donc j'ai un petit peu annulé. Mais en fait là je récolte des montants et vu que j'ai pas de société je reçois pas de paiement, je reçois pas mes paiements. Mais en fait, j'essaie de monter petit à petit en montant tout ça. Et le jour où vraiment je crée ma société pour de bon, tu vois, et bah au moins je récupère tout l'argent et puis c'est carré. Mais du coup, merci à toi Druluxus pour ça parce qu'il avait vraiment utilisé full appareil
pour qu'on atteigne les 4 milliards de visionnages, et c'est seulement à une semaine de la fin. Là, on voit, il manque 50 heures de visionnage pour réussir. Et 50 heures, les gars, c'était énorme. C'était énorme, à un moment donné, c'était énorme, parce que ça, les 20, 30, 40 heures, ça marchait plus trop. On était plutôt sur du 5, 10 heures. Et il fallait qu'en 5 jours, on fasse 50 heures. Et d'un coup, 2 jours après, je vois, on est toujours à 40 heures. Et là, petit mail, vous êtes éligible à la monétisation YouTube. Faites tout ça. T'as. What? Ouais, c'était 50 heures, j'ai même pas fait d'heures de vidéo en plus, tout ça. Et voilà, ça devait être un problème de mise à jour. Et du coup, à l'heure actuelle, on a la monétisation. Et on en est actuellement, du coup, avec mes petits shorts à la semaine, à un total de 2300 abonnés à peu près, je crois. J'ai pas les chiffres exacts, honnêtement. Je regarde pas tout le temps. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 14 avril. Donc, j'ai 20 ans et franchement, je me dis que j'avais franchement des choses à faire que j'ai pas pu faire. Par exemple, il y a la vidéo 24 heures où Discord contrôle ma vie, mais le problème, c'est la caméra. La caméra avec laquelle je filme, c'est bien, mais la qualité n'est pas non plus extraordinaire. La qualité n'est pas folle. Et du coup, c'est ça qui m'a un petit peu empêché de faire ce 24 heures où Discord contrôle ma vie. Mais du coup, j'ai essayé avec Montel, mais Montel, c'est encore pire. La qualité est vraiment horrible. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs comme ça que j'aimerais faire, mais que je peux pas à cause de la qualité. Là, je vais la publier, cette vidéo, ce sera cette qualité-là. Je suis désolé si vraiment c'est vraiment pas fou. Là, je vois le retour et niveau qualité, ça a pas l'air dingo. Même carrément, j'ai le soleil qui me tape sur les yeux, carrément. Donc voilà. Mais du coup, voilà, et il y a plein de vidéos que je vais faire, par exemple, des trucs tout bêtes, genre des anecdotes, des histoires de youtubeurs, par exemple, etc. Plein de trucs qui sont en face caméra, tout ça, et que j'avais prévu de faire à la base, mais qui, avec la qualité, ne se faisait pas. Donc, je vais essayer de les faire quand même. Je ne vous dis pas quand est-ce que je pourrais les faire, si vraiment je vais les faire ou non, mais c'est le but. Et puis voilà, il y avait aussi ce chapitre 2, de Fortnite, l'histoire, parce que comme vous le savez, SK avait sorti Fortnite chapitre 1, l'histoire de Fortnite chapitre 1, et donc ça devait être à mon tour pour le chapitre 2. Je ne l'ai jamais sorti parce qu'en fait j'ai des difficultés au niveau du montage et de la voix, c'est quand même beaucoup de travail, et du coup j'ai eu vraiment du mal à le faire, mais faut que je le fasse, ça c'est une chose, faut que je le fasse, je peux le faire, ça va être juste être très long à faire. Et on verra ce que ça va donner, parce que ça se fera pas maintenant, je pense, en vrai de vrai. Mais voilà, on va essayer de travailler dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux travailler. Et puis voilà, simplement. Voilà, j'ai plein de projets, les gars, à l'avenir. Plus en face caméra quand même. Mais voilà, sachez qu'on va essayer de monter. On a des objectifs. Prochain gros objectif. Quand je dis gros objectif, c'est vraiment on passe un cap. Ce serait les 10 000 abonnés, déjà, pour commencer. Un cap de 10 000 abonnés. Ce serait déjà pas mal. On a passé les 1000 abonnés, les 2000. Prochain petit objectif, ce serait les 3000 abos. Et après 3000, 4000, 5000, jusqu'à atteindre les 10 000 en gros objectif. Et après, les gars, on montera au fur et à mesure, hein, etc. Tout simplement. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans cette nouvelle ère, les gars, il y aura beaucoup moins de live. Je tiens à vous préciser parce que, en fait, j'ai fait tellement de lives du lundi au vendredi depuis la création de ma chaîne YouTube que là, d'un coup, récemment, et comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je n'ai vraiment pas live du tout. Enfin, si, une fois, j'ai live un mercredi sur de la Ligue F1. Mais voilà, sachez qu'il y aura pas beaucoup de lives dans les semaines. Il y en aura maximum 3 et en moyenne 2 lives par semaine, parce que sinon, je vais vraiment finir par me lasser et c'est pas ce dont j'ai envie. Je ferai les jeux que je veux. Donc si jamais, je vous prie de respecter le fait que à des lives, je ne jouerai pas forcément à Fortnite. Il y a des lives où je ne serai pas forcément les jeux que vous souhaitez. Je vais vraiment faire par rapport à ce que moi j'ai envie. Il y aura toujours des lives Fortnite. Ouais, faire ça quand même. Je vais essayer d'en faire peut-être une fois par semaine ou tous les deux semaines. On va essayer. Et je vous le garantis pas, les gars. Et je tiens à ce que vous respectez quand même que quand je fais un live sur n'importe quel jeu,
bah, vous devez respecter le fait que je fasse ce jeu et pas un autre. Voilà. Si je fais ce jeu-là, vous voyez que je fais ce jeu-là, je vous demanderai de pas me dire « Va sur Fortnite, s'il te plaît, va Fortnite. » Sinon, les gars, je vous le dis direct, je vous ferai un avertissement. Si vous continuez, ce sera clairement un ban. Ça peut être ban permanent. Permanent, je crois que ça veut dire un ban où ça dure pas dans le temps. Si vraiment ça continue comme ça, vous serez ban def, quoi. Vous serez ban définitivement. Et voilà, vous pouvez en vouloir qu'à vous-même. Je vous aurais prévenu pendant le live, tout ça. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.